première génération de bâtirons nous a donné entièrement satisfaction, puisque malgré le fait qu'il soit rentré au Haras au 1er avril pour sa première saison de monte, puisqu'il était en préparation pour les courses quand il a eu un petit souci de santé. Donc il est rentré au Haras relativement tard. Il a donc eu une génération tronquée avec des juments qui n'étaient effectivement peut-être pas les meilleurs. Il a fait donc un nombre de produits relativement limité. Et pourtant, c'est lui qui a fait le plus de gagnants pour la première génération dans les jeunes étalons en 2020. Parmi ceux-là, bien sûr, il y a Vernon Subutex qui s'illustre à Cagnes. Il y a aussi un cheval avec un profil peut-être un peu plus classique, Enjoy Your Life. Oui, alors effectivement, il y a Enjoy Your Life qui est gagnant d'une belle course à Compiègne, et Vernon Subutex qui, à Cagnes-sur-Mer, répète les bonnes performances durant l'hiver, puisque je crois qu'il a dû courir 5 fois depuis le début du meeting, soit à peu près en un mois. Bref, des chevaux qui répètent, quoi. Et puis peut-être certains futurs bons 4 ans, avec comme Enjoy Your Life, par exemple. Voilà, et puis alors effectivement, quelqu'un avec qui je suis très lié, qui est David Lumet, qui en a eu beaucoup en préparation, me dit que la deuxième génération est bien meilleure que la première. Et on ne s'étonne pas. D'abord, en nombre, elle va être plus importante. Et en plus de ça, effectivement, en qualité de jument, je crois qu'effectivement, il n'y aura pas photo. La deuxième génération sera, j'espère, de meilleure qualité. Un petit rappel très rapide sur son profil, performance physique et pédigré. Oui, alors c'était plutôt un stayer. Hein. C'était un cheval qui était à son aise sur 2008, 3000 mètres. Il est placé du prix du cadran, donc il peut même aller un tout petit peu plus long. C'est un cheval qui est très typé monsoon, hein, qui a quelques similitudes avec Manduro. Il a le même croisement, hein, c'est monsoon et une mère par Be My Guest. C'est un cheval qui produit des poulains qui sont d'aplomb, qui ont souvent de l'os. Hein, vous pouvez lui ramener des juments qui sont même éventuellement un peu légères. C'est pas parce que c'est un fils de monsoon, il produit plutôt costaud.